Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Partagez la vidéo. Bonjour. Bonjour Ellie, bonjour Ellie, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, ça se connaît, bonjour tout le monde, partagez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez partagé la vidéo pour prévenir les autres que nous sommes là? Ouais, ça fait quand même, oui, ça fait quand même 2 minutes qu'on est là déjà. Bonjour, 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 bonjour. Partagez la vidéo, dites aux autres que nous sommes là et qu'on va démarrer le live d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour, répondez-moi bonjour, dites-moi bonjour, non? Bonjour. Voilà, je partage encore la vidéo et puis on va démarrer. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, on est vendredi. Voilà. Donc, vendredi, qui dit vendredi, ça veut dire live, soit sur ici ou soit sur la chaîne YouTube directement. Avant de commencer à parler aujourd'hui, en fait, il faut que je fasse une mise au point. Toute cette semaine, j'ai reçu le même message. Vous imaginez, tous les jours, au moins 2 à 3 fois par jour, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi, et minimum 2 fois, 3 fois par jour, je reçois la même question. Noélie, comment faire concrètement pour sortir de ces choses que tu écris sur la page? Je reçois les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes questions. À chaque fois, je reviens, je viens sur la page, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Personne ne va s'abonner sur la page YouTube. Mais on revient me poser la même question tout le temps. J'écris des posts qui font peut-être 2 lignes. Un post de 2 lignes, au fait, ne peut pas, au fait, changer ta vie. C'est pour ça que je prends sur moi pour faire 2 lives par semaine. 2 fois par semaine, je fais des vidéos de plus d'1 heure. Donc, sur la chaîne YouTube, là, présentement, on est à plus de 150 vidéos, en fait, où je reviens en profondeur sur tous les posts. Tous les posts que je vous mets sur cette page, je reviens là-dessus en vidéo. Donc, toutes ces questions que vous me posez. Mais Noélie, comment faire concrètement? Noélie, comment faire? Noélie, comment faire? La plupart de ces questions, j'ai déjà répondu dans les vidéos, mais vous ne prenez pas le temps de regarder les vidéos. Vous ne voulez pas, en fait, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous ne prenez pas le temps de regarder les vidéos et on me propose les mêmes questions. Alors, vous pensez que
Toute la journée, je vais répondre aux mêmes questions, aux mêmes questions, aux mêmes questions, aux mêmes questions, aux mêmes questions. On s'en sort pas, en fait. C'est pas pour faire joli que je prends deux jours de la semaine pour venir faire des lives, en fait. Non, c'est pas pour faire joli. C'est pas pour que vous regardez ma tête ou je ne sais pas quoi. Non. C'est pour aller en profondeur sur les posts que j'écris, parce que les posts de deux, trois lignes ne peuvent pas changer les choses dans vos vies. C'est pour ça que je reviens là-dessus en vidéo, pour aller plus en profondeur. Mais vous ne regardez pas les vidéos. Et vous revenez me poser les mêmes questions. Et je vais toujours vous renvoyer. Avant, en fait, je prenais le temps pour... Amen. Avant, je prenais le temps de revenir sur les choses. Je ne reviens plus, en fait. Les vidéos sont déjà là. J'ai déjà parlé, la plupart des sujets dont je parle ici, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, soit vous faites l'effort, en fait, d'aller regarder les vidéos. Si vous voulez même pas, en fait, vous abonner à la chaîne YouTube, bon, voilà, c'est votre droit. Mais si vous ne prenez pas le temps minimum, peut-être, je sais pas, moi, 45 minutes, une heure de votre vie, de votre temps, pour aller, au fait, suivre en profondeur, en fait, les choses que je dis sur les sujets, excusez-moi, en fait, bon, même pendant 5 ans, on va rester là, en fait. Parce que moi, je ne vais pas revenir à chaque fois sur les choses dont j'ai déjà parlé, en fait. Non. Parce que là, c'était quand la dernière fois, on me dit, Noélie, mais comment guérir concrètement? Je fais que ça. Je répète ça du 1er janvier au 31 décembre. Et quand on vient encore me poser la question, mais Noélie, on fait comment pour guérir concrètement? Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je parle que de ça du 1er janvier au 31 décembre. Je parle de la même chose. Si vous êtes sur cette page, vous avez remarqué que je ne parle pas d'autre chose que de la guérison. Donc, si on est arrivé encore à ce stade et que tu n'as pas les infos sur comment tu dois guérir tes blessures intérieures, ça veut dire en fait que tu ne fournis pas encore l'effort nécessaire. Tu t'arrêtes juste au fait au poste que je marque, alors que les postes, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles prendre le temps de regarder les vidéos. Donc, je viens de mettre en fait le lien de la chaîne YouTube en haut de la vidéo du live en cours. Va sur la chaîne YouTube, abonne-toi, toutes les vidéos sont là-bas. Et si vraiment après ces vidéos, en fait, tu n'arrives pas à passer à autre chose, là maintenant, je peux revenir pour qu'on aille, en fait, un peu plus loin. Mais pour l'instant, les vidéos sont là qui traitent en profondeur des poses dont je parle ici. Voilà, maintenant la mise à jour finie, on peut commencer notre sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Je suis une conseillère en relation d'aide. Je ne suis pas coach. Je suis une conseillère en relation d'aide. Je travaille plus à la guérison intérieure. Donc, c'est pour ça que tout le temps, je te parle au fait des blessures intérieures. Je te parle de l'estime de soi. Je te parle de ton identité. Je te parle de la perception que tu as de toi-même. Je te parle de tes pensées. Je te parle de tes émotions. Parce que ce sont des choses qui ont attrait à ta vie de l'intérieur. Quand on parle de la guérison, de processus de guérison, voilà les choses que l'on touche de l'intérieur. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Une semaine assez chargée, un peu complexe, mais on est là. Par la grâce de Dieu, on va bien et on démarre notre vidéo aujourd'hui. Pourquoi ta relation est vouée à l'échec? J'ai fait exprès, en fait, de mettre le thème comme ça. C'est pas pour te faire peur. C'est pas une prophétie qui veut dire, en fait, que non, la relation dans laquelle ça va forcément échouer. Non. En fait, je suis en train de t'expliquer, au fait, ce qui risque de t'arriver si tu ne règles pas un certain nombre de choses à l'intérieur de toi. Voilà. Ce qui risque de t'arriver si tu ne règles pas un certain nombre de choses en toi. Est-ce que tu as déjà partagé cette vidéo dans tes groupes? Tu es dans beaucoup de groupes. Tu partages les vidéos de beaucoup de personnes. Mais moi, mes vidéos, tu ne les partages pas. C'est pas bien. Partage-les-y. Merci beaucoup. Donc, la chose qui va faire que l'une des grandes choses, il y a eu entre guillemets un débat hier sur la page, c'était hier ou avant-hier, où j'étais en train de dire que le mariage va au-delà de l'aspect physique, va au-delà de l'aspect spirituel. Parce que la plupart du temps, quand vous vous levez, excusez-moi, quand vous dites que vous allez vous marier, on vous... Non, là, en fait, je suis en train de parler, en fait, pour les relations amoureuses, parce que c'est de ça dont j'ai parlé toute cette semaine sous là. Je suis en train de parler, en fait, des relations amoureuses, la relation de couple, la relation dans le mariage, depuis, en fait, depuis quelques jours déjà. Donc là, je suis en train de conclure, en fait, sur tous les posts de ces derniers jours. Donc, j'étais en train de dire que quand vous voulez vous préparer pour le mariage, en fait, on vous prépare pour beaucoup de choses.
On vous prépare pour beaucoup de choses. On vous dit de prier. On vous dit de vous préparer physiquement. On vous dit de très bonnes choses. Mais ce coup, il y a une chose que je répète tout le temps sur cette page et que je vais tout le temps répéter, c'est que on oublie de vous dire de faire le ménage en fait dans votre vie intérieure. C'est comme ça que beaucoup de personnes se lèvent, rentrent en couple, se mettent ensemble, vont aux fiançailles, puis vont au mariage et ramènent leur passé avec eux. Tous les casseroles de ton passé rentrent avec toi, tu rentres en fait dans ce mariage, en fait, dans cette relation avec ça. Voilà pourquoi cette relation est vouée à l'échec. Par moments, on voit des complications, on voit des gens qui essaient de trouver beaucoup de choses pour réparer les relations, mais ils ne vont pas en fait au point essentiel. Le point essentiel est que la personne a ramené tout son passé, tout ce qu'elle a vécu, ses traumatismes, ses blessures, ses peurs, ses insécurités, tout. Elle a pris tout ça. Pam! Elle est rentrée en fait dans le mariage avec. Voilà comment les problèmes se posent. Commence en fait. Après, elle va commencer en fait à faire les jeûnes, elle va commencer à faire les prières, elle va commencer à faire des combats, des trucs. Mais en aucun moment en fait, elle ne va se remettre en question pour dire que non, peut-être que le problème que j'ai, c'est peut-être au niveau de mon caractère, c'est peut-être au niveau de mon système de pensée, c'est peut-être au niveau en fait de tout ce que j'avais reçu dans mon passé qui me cause problème. Non. Il n'y a pas longtemps en fait, j'ai vu une grande sœur à moi qui avait partager un problème de couple et une dame, en fait, la dame, en fait, posait la question, comment elle va faire? Tout de suite, en fait, j'ai vu toutes les réponses qui sont passées. On lui a dit, ah, est-ce que tu connais le film, là, Varum? Vous voir dans le film, là, la dame, elle a prié, la dame, elle a fait ceci, la dame, elle a fait cela, la dame, elle a fait cela, la dame, elle a fait cela. Je me suis dit, non. Donc, en fait, c'est devenu la norme. Dès qu'une personne, en fait, dit tout de suite que non, j'ai un problème dans mon couple, tout de suite, il faut prier. Qui vous a dit que quand, dès qu'il y a un problème dans le couple, tout de suite, il faut prier, en fait? Et qui vous a dit que c'est la seule solution, en fait? Qui vous a dit ça? Par moment, au-delà de la prière, il y a des choses à faire. Parce que quand c'est un problème, en fait, qui a rapport maintenant au caractère de la personne, à la manière, en fait, de la personne de fonctionner, en fait, au quotidien, excusez-moi, en fait, la prière, je peux dire qu'elle est insuffisante, en fait, si tu dois changer ton caractère. Imagine, en fait, tu es une personne où tu es contrôlante, dans le sens où c'est toi qui veux dire aux gens comment ils doivent être. Tu veux diriger la personne en face de toi. Tu contrôles la personne autour de toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur. Tu as peur, en fait, que la personne en face de toi te quitte. Donc, tu es là tout le temps, matin, midi, soir. On doit te rassurer. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as appelé qui? Tu as parlé avec qui? Pourquoi tu as fait ceci? Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Vous pensez qu'une personne qui a ce genre de problème, une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle-même dans le couple, vous pensez que si ce couple se retrouve devant des difficultés, vous pensez que seule la prière va pouvoir sortir le secours de ce problème? Est-ce que vous pensez ça sérieusement, en fait? Une personne qui a une mauvaise image d'elle-même. La personne se rabaisse. La personne n'a aucune confiance en elle. Vous pensez que si, entre guillemets, ce couple fait se retrouve dans des problèmes, vous pensez que seule la prière est suffisante? Non, la prière n'est pas suffisante. On va prier, mais le problème est ailleurs, en fait. On prend l'exemple, en fait, d'une homme. Je parle d'une, je prends toujours l'exemple d'une femme parce que je suis une femme, en fait. On prend l'exemple d'une femme qui, dans son passé, en fait, a commis peut-être une violence sexuelle. Elle a subi peut-être des attouchements, un viol ou de l'inceste ou je ne sais pas quoi dans son passé. Elle est rentrée maintenant dans ce mariage. Elle a caché la vérité. Déjà, elle n'a pas pris le temps de guérir. Et puis, elle a caché en fait la vérité à son conjoint en face. Et quand elle va rentrer dans le couple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au niveau de leur intimité, ça va être difficile. Elle va être froide, elle va être distante. Elle va avoir un certain nombre de choses et le conjoint en face, en fait, ne va pas comprendre ce qui se passe. Par moment, on se retrouve devant des problèmes comme ça. La dame, la femme en face, elle a des comportements dysfonctionnels, au fait. On ne cherche pas à savoir le pourquoi de son comportement. Tout de suite, on va dire, prions. Prions. Je suis pour la prière. Je suis d'accord. Je suis pour la prière. Mais quand le problème touche le passé de la personne, ce n'est plus suffisant. Il faut aller plus loin. Combien de mes sœurs se lèvent et rentrent en relation avec des mauvaises motivations? Combien? Il y a même pas une heure, j'ai entendu encore l'histoire, en fait, d'une dame, en fait, qui est dans un couple où elle est trompée. Mais cette dame,
Elle est au courant qu'elle est trompée. Elle a même pas le courage, la force nécessaire de dire à cet homme que non, je sais que tu me trompes. Elle a peur. Elle a peur de perdre cet homme. Elle a peur de ceci, elle a peur de cela. Donc, elle fait tout pour justifier au fait la situation dans laquelle elle est. Vous pensez que dans ce cas, la prière seule est suffisante pour sortir de cette situation? Non. Il faut qu'on revoie au fait un certain nombre de choses dans la vie de cette femme. Déjà, les bases au fait avec lesquelles elle s'est mariée. Beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, je ne parle pas que des femmes. Je parle aussi des hommes qui se marient pour de mauvaises motivations. Parce que l'âge avance, parce que les amis sont mariés, parce que. Je crois dans 1 ou 2 semaines, je dois aller intervenir au fait dans une réunion d'hommes, des jeunes hommes. On dit souvent que ne lis pas aux femmes. Non, je ne parle pas qu'aux femmes. Je parle aussi aux hommes. Je parle à tout le monde. Que ce soit les hommes ou les femmes, par moments on se marie, on se met en couple pour des mauvaises motivations. Les gens traînent leur passé lourd. Un homme, au fait, qui a eu des problèmes, des trahisons, des déceptions, ou vraiment des choses plus lourdes que ça depuis son enfance, il va prendre ça, il va rentrer dans le mariage. Vous allez voir du jour au lendemain, le monsieur, il est dictateur. Le monsieur, il est ceci. Excusez-moi. Quand on va voir, quand un garçon grandit et qu'il voit autour de lui, au fait, cette tendance des hommes, que ce soit son père ou ses grands frères ou ses tontons marchés, tromper les femmes, et qui grandit dans cet environnement-là. Vous pensez que si ce garçon grandit, plus tard devient un homme, vous pensez qu'il va faire mieux? Il ne fera pas mieux, en fait. Il ne fera pas mieux, à moins qu'à un moment donné, il fasse un travail sur lui-même, pour se dire que non, en fait, ce n'est pas la bonne manière. Pour être un homme, un vrai homme, ça ne veut pas dire qu'il faut courir derrière toutes les femmes. C'est pas ça être un homme. Donc, on a souvent des hommes, au fait, qui sont perdus dans leur identité. Qui ne savent pas qui ils sont. Qui ont ramassé les choses de leur passé. Puis, ramènent ça dans le couple. Un homme qui a toujours vu, au fait, comme je disais, autour de lui, ses grands frères, son père, son oncle, machin et tout, ont eu plusieurs femmes. Comment vous voulez demander à cet homme, au fait, d'être fidèle après dans le mariage? Il ne pourra pas le faire, en fait. Excusez-moi, je ne sais pas ce que je fais moi. Il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire parce qu'il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Dans son système de pensée, ça n'existe pas. Pour lui, être un homme, un vrai homme, il faut que ça trompe. Il faut que j'ai plusieurs bureaux. Il faut que j'ai ceci. Il faut que j'ai cela, en fait. Et toi, si toi, femme, et si toi, femme, par malheur pour toi, tu vas tomber sur un homme comme ça, si dès la base. Si dès la base, toi, femme, tu vas t'attacher à un homme comme ça, sans lui laisser le temps de régler ce genre de choses dans sa vie, et tu vas croire que le fait de l'épouser va faire qu'il va rester fidèle à toi. C'est comme ça que l'AVC te guette. Tu vois déjà les penchants de la personne. Tu vois déjà les failles de la personne. Tu vois déjà les tares de la personne. Mais tu dis non, c'est pas grave. Quand on va se marier, il va changer. Et quand tu te maries, en fait, tu rentres dans la relation 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, 10 années, la personne ne change pas. Pire, ça devient grave. Et puis là, maintenant, tu cries au scandale. Oh, il n'est pas bien. Oh, il est ceci, il est cela. Non, il a toujours été comme ça. Comment ça se fait, en fait, que tu t'es retrouvé là-bas? Est-ce que, quand, en fait, tu étais en fréquentation, tu étais en cheminement avec cet homme, est-ce que tu as ouvert tes yeux? C'est ce que je dis tout le temps aux femmes ici. Je suis fatiguée, en fait, de voir les femmes tout le temps. Excusez-moi, je suis une femme. Mais je suis fatiguée des femmes se plaindre tout le temps d'un certain nombre de choses qu'elles ont vues avant de dire oui, avant de s'engager, en fait. Elles le voient. Elles le voient déjà. Mais elles se disent, non, je vais le changer. Non, avec le temps, il va changer. Non, beaucoup des excuses. Vous vous engagez dans les choses avec une personne, avec un lourd passé comme ça. Et vous pensez que vous avez la capacité, au fait, de changer le passé de cette personne. Avec quel pouvoir, en fait? Quel pouvoir vous allez pouvoir changer le passé de cette personne? Est-ce que cette personne vous a déjà dit que qu'il ou elle veut changer son passé? Non. C'est comme ça, après que non. Les complications se retrouvent. On voit des personnes qui ont pris tout leur passé. Par moment, la personne ne se rend pas compte parce que quoi? À force de faire un certain nombre de choses, ça devient une habitude. Et on ne se rend même plus compte au fait que ce sont des mauvaises habitudes qu'on a. J'ai autour de moi, que ce soit dans ma famille, autour de moi, pour eux, être un homme, en fait, c'est avoir plusieurs femmes. C'est avoir peut-être une femme à la maison, la principale.
Et puis, on en voit d'autres dehors. Soit il a reçu ça dans son environnement, autour des amis ou dans sa famille, d'où il a grandi, au fait. C'est ce qu'il a vu. C'est la norme, en fait, qu'il a vu. Et après, vous vous engagez à vos risques et périls. Ne vous engagez pas en connaissance de cause et après, commencez à crier, commencez, en fait, à mettre la pression sur ces personnes pour changer. Parce que changer, c'est pas facile. C'est pas aussi facile que ça. Là, je suis en train de parler aux femmes. Les femmes, arrêtez, en fait, de fermer les yeux sur un certain nombre de choses juste parce que vous voulez vous marier, juste parce que vous voulez rentrer en relation, parce que vous vous engagez, en fait, à un truc. Après, quand ça devient compliqué, en fait, vous créez un scandale, mais après, ça devient difficile à récupérer. Ça devient très difficile à récupérer après. Parce que oui, mais vous n'allez pas mettre un couteau sur la gorge de cette personne pour changer du jour au lendemain. Et puis, si même la personne. Est-ce que la personne vous dit qu'elle a envie de laisser cette habitude-là? Oui, Soula, tu as raison. Par moment, oui, c'est la culture. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Soula. Il y a d'autres, par moment, c'est la culture. C'est la culture. Oh, chez nous, c'est comme ça. Mais il faut que tu t'assures, femme, que tu es prête, en fait, à supporter ça. En fait. Puisque tu dis que je vais aller, donc tu t'engages à supporter ça. Après, il ne faudra pas, en fait, te plaindre. Après, il ne faudra pas incriminer tous les hommes. Et c'est comme ça, après, vous allez commencer à crier. Ah, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Tu l'as accepté comme ça. Maintenant, pourquoi tu veux qu'il change? Il fallait d'abord le laisser changer avant. Que la décision vienne de lui ou d'elle-même pour changer. Parce que toi, tu n'as aucun pouvoir, en fait, de le faire changer, de le faire devenir une autre personne. Non. C'est la personne en lui, en elle-même, qui doit se dire, non, en fait, ce style de vie, ce n'est pas bon. Il faut que je change. Mais non, nous, les femmes, non, 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 non. On veut forcer les gens à changer. Je vous ai toujours dit que ça, c'est de la manipulation. Quand vous vous mettez avec une personne dans l'optique de le changer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation que vous faites. Vous allez me dire, oui, mais Noélie, c'est fort ce que tu dis. Mais oui, c'est fort ce que je dis. Parce qu'en fait, vous forcez une personne à faire quelque chose contre son gré. La personne ne vous a pas dit qu'il veut changer. Vous le forcez à changer. Et qu'est-ce que la personne va faire? En fait, au début, il va faire semblant. Il va faire semblant de changer pour te plaire. Mais tu vas te rendre compte quelques temps après au fait que non, la personne n'a pas changé. Et c'est là où tu es déçu. Alors que tu pouvais laisser le temps bien avant. Laisser la personne faire le travail qu'il faut pour pouvoir sortir de là. Là, j'étais en train de parler aux hommes. Revenons maintenant sur les femmes. Combien de mes sœurs, en fait, rentrent en relation avec leur insécurité? Tu es là. Tu es dans le téléphone de cet homme. Quand il dort, tu vas fouiller dans son téléphone. Quand il est ceci, tu vas fouiller dans ses affaires. Tu n'as aucune confiance en toi-même. Comment tu veux faire confiance à une autre personne alors que toi-même, tu n'as pas confiance en toi-même? Vous voyez, en fait, vous pensez souvent au fait que quand vous rentrez en relation, la personne qui est en face a la capacité au fait de faire sortir de ton passé. En fait, dans ton passé, il y a un certain nombre de choses qui se sont installées. Il y a certains types de mauvaises habitudes, manières de penser, de comportements qui sont déjà installés en toi. Et ne pense pas que cet homme qui va arriver dans ta vie a un pouvoir magique de venir changer ça. Non, en fait, ça va juste encore réveiller en fait ces choses qui sont à l'intérieur de toi. C'est comme ça que tu es dans la relation, toi-même tu as tes problèmes depuis le passé. Tu es susceptible, plus, on ne peut rien te dire. On te dit un truc banal. Le pauvre type, il te dit un truc simple, sans arrière-pensée. Mais toi, tu as déjà transformé ça en autre chose. Je suis fatiguée de voir les femmes se plaindre. Remettons-nous en question. Et là, me dire, ouais, Noélie, mais oui. Non, 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 non. Vous savez, le changement ne commence pas par les autres. Le changement commence quand on commence à se regarder à soi-même. Il y a une personne qui m'a dit hier, qui a écrit sur la page hier, oui, Noélie, même si je suis blessée, il faut que la personne en face reconnaisse qu'il m'a fait du tort et qu'il fasse quelque chose pour que je me sente mieux. Je me suis dit, mauvaise réponse. Quand vous êtes blessée, quand vous n'êtes pas bien, vous attendez au fait que les autres fassent quelque chose. Donc, en fait, toi-même, tu as tes propres problèmes depuis ton passé. Tu ramasses ça. Tu viens t'asseoir dans le coin. En espérant dans ta tête, tu crois que cet homme qui va arriver, c'est le bon samaritain qui va venir t'aider à faire sortir tes problèmes. En fait, qui t'a dit ça? C'est pas son rôle. C'est pas son travail. C'est comme ça que tu n'as aucune confiance en toi-même. Estime de soi à 0%.
Et tu es derrière cet homme. Tu le fatigues. Donc, quand on dit tu le fatigues, donc si moi-même j'étais la sœur de cet homme, j'allais venir te crier dessus. Tu es là. Tu es où? Tu es avec qui? Tu parles avec qui? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? C'est bizarre, hein? Je t'ai écrit un message. Tu ne m'as pas répondu tout de suite. Tu étais avec qui? Tu me trompes, hein? Tu me trompes. De toute façon, je savais. Tous les hommes sont comme ça. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais, en fait. Le pauvre monsieur, il n'a même pas de problème. Toi-même, tes propres insécurités que tu avais, tu places ça sur lui, en fait. Ce n'est plus une relation. Ça devient de la contrôle. Ça devient une prison. C'est devenu comme l'armée, en fait. On ne peut même pas te dire la vérité. On ne peut même pas te dire les trucs qu'on fasse parce que, voilà, tu vas partir dans tous les sens. Parce que tu ramènes tout, en fait, à toi. Tu ramènes tout vers ton passé. Tout ce qu'on peut te dire, peut te faire, en fait, se retrouve dans ton passé. Ah, voilà, ça recommence encore. Les hommes sont mauvais. Il est comme mon père. Il est comme ceci. Il est comme cela. Quand on vous dit soignez-vous avant de rentrer, de penser, beaucoup de mes sœurs songent au mariage. Je vous assure, en fait, c'est une très bonne chose. Mais le mal, entre guillemets, que je peux dire dans ma communauté, c'est qu'on vous dit juste prier, jeûner. On vous dit fais-toi belle, fais le maquillage, fais ceci, c'est tenir la maison, il faut savoir préparer, il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire cela. Voilà ce qu'on vous dit. Mais on ne vous dit pas, en fait, que ces choses que tu as vécues dans ton passé va te créer des problèmes. Que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas le ramener dans le mariage. Que si, au fait, tu ne sais pas qui tu es, tu risques déjà de faire un mauvais choix. Combien de mes sœurs, après des années, se rendent compte que non, j'ai fait un mauvais choix. C'était pas ça, en fait. Je ne devais pas être là. Je ne devais pas. Non, par moment j'ai un peu l'humour qui sort en fait. Non, parce qu'en fait, par moment, en fait, mes soeurs me fatiguent. Elles me fatiguent. Elles me fatiguent. Donc, en fait, j'essaie d'imiter ce qu'elles font au quotidien. On ne vous dit pas au fait que ces choses. Vendredi dernier, je crois, il y a 2 semaines, je suis venue vous dire que tout se joue dans vos vies avant vos 6 ans. La confiance en soi, le langage et la créativité. Voilà l'une des choses. Votre côté affectif est bâti avant vos 6 ans. Donc, avant vos 6 ans, il y a certains d'entre vous qui ont vécu des choses très lourdes, qui ont vécu des choses très lourdes, qui ont vécu des abandons, qui ont vécu peut-être des rejets, qui ont vécu des choses compliquées. Toutes ces choses sont restées en toi. Ne pense pas que c'est parti. Ce n'est pas parti. Ils sont juste enfouis quelque part à l'intérieur de toi. Et quand tu vas commencer à grandir, le temps va passer. Et tu vas vouloir juste te poser un coup. Est-ce que vous savez que par moment, je dis ça aux femmes, elles sont choquées. Par moment, en fait, tu veux te marier. Non, en fait, tu ne veux pas te marier. Tu es à la recherche de ton père. Tu es à la recherche de ce protecteur, en fait, ce père qui a toujours été présent. Ce père qui a toujours manqué, qui a toujours été, en fait, absent. Par moment, en fait, c'est ce père que tu cherches. Tu ne cherches pas le mari. Parce que le mari a un autre rôle dans ta vie. Le père aussi a un autre rôle dans ta vie. Mais quand tu pars en fait en relation, en recherchant ton père, l'attitude que tu vas avoir là-bas en fait, sera l'attitude d'un enfant. Donc tu seras l'enfant pourri gâté. On m'a pas fait ceci, on m'a pas appelé, il m'a pas fait de compliments, il m'a pas fait dit ceci. Donc en fait, tu es dans l'attente. L'une des choses que vous faites souvent, c'est ça. Pourquoi je dis vous? C'est parce que moi-même, j'ai fait ça pendant des années. Comment j'arrive à savoir ce que je te dis? C'est parce que moi-même, j'ai fait ça pendant des années. Je n'ai pas grandi avec mon père. Et en fait, donc, cette figure d'autorité, de sécurité, en fait, de protecteur me manquait. Et quand je me voulais que je voulais me marier, en fait, je ne me suis même pas rendu compte du fait que je ne cherchais pas le mariage. En fait, j'avais aucune idée de c'était quoi un mari, en fait, de rôle de mari. Moi, je cherchais un père, en fait, je cherchais une figure masculine. Voilà. Je cherchais une figure masculine, je cherchais une présence dans ma vie. Donc, vu que dans ma tête, en fait, je ne cherchais pas un mari, mais je cherchais un père, mon attitude a automatiquement suivi. Donc, j'étais le genre de fille, ah, tu ne m'as pas appelé, ah, tu ne m'as pas fait de compliments, ah, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela. Donc, j'étais tout dans les plaintes. Jamais contente. Jamais contente. Voilà, initiative zéro. J'étais là, comme un petit bébé. J'attendais qu'on me fasse tout, tout le temps de me plaindre, tout le temps, tout le temps. Alors que quand tu dis que tu veux te marier, au fait, tu t'engages à un certain nombre de choses. Voilà comment, en fait, ta relation peut saboter.
certaines de mes sœurs rentrent en ménage. Elle a déjà un lourd passé. Elle a vécu des choses très difficiles qui ont fait que elle s'est renfermée déjà sur elle-même. Elle est en couple, hein, elle est mariée, mais elle vit au fait comme quelqu'un qui vit en single temps. Donc, la personne en face, elle ne dit rien à la personne. Aucune communication, zéro. Elle est pour tout ce qu'elle vit, tout ce qui arrive, elle garde son âme. Il n'y a rien en face. Aucune, donc, rien, aucune synergie, zéro. On est dans la, on est mariés, mais on est comme si c'était deux célibataires qui vivaient dans la maison. Et la personne va supporter, la personne va supporter, la personne va supporter, va supporter, va supporter. Comme je vous le disais la dernière fois, ce n'est pas toutes les personnes qui ont cette capacité de supporter ce genre d'attitude pendant le temps, en fait. Voilà comment la relation peut être vouée à l'échec. Parce que cette personne qui est arrivée n'est pas censée subir ton passé, parce qu'il n'est pas responsable de ce qui t'est arrivé. Je répète. Il n'est pas responsable de ce qui t'est arrivé. Vous, vous êtes rentré au fait dans le contrat du mariage. Dans le contrat du mariage, il y a des droits et puis il y a des devoirs. Donc, dans le devoir, tu es censé faire tes devoirs. Ce n'est pas dans le sens où non, moi, je n'ai pas confiance aux gens. Moi, je ne parle pas aux gens. Moi, je ne fais pas ceci. Je ne partage pas. Je ne dis rien. Je me tais. Je reste dans mon coin. Je boude. Dès qu'on me fait une remarque, je ne suis pas contente. Je me fâche. On n'a pas le droit de me dire quoi que ce soit. Je suis le centre du monde. Je dois avoir le dernier mot. À un moment donné, ça va clasher. Avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûne, ça va clasher. C'est pour ça que je vous dis, au-delà au fait de votre préparation physique, c'est pas joli, fais tout ce que tu veux. Moi, je suis pour. Hein. Il ne faut pas souvent croire que Nelly, elle est contre la beauté. Non, je ne suis pas contre la beauté. Mais ma chérie, la beauté, ce n'est pas la beauté au fait qui va te faire tenir dans ton mariage. Cher monsieur, ce n'est pas ta jolie beauté, comment ça s'appelle, tes muscles, les abdos qui vont faire tenir. Non, si tu es un homme avec un mauvais caractère, orgueilleux, tyran, elle va fuir, elle va partir. Parce que nous, de par notre nature, en fait, on cherche un protecteur. On ne cherche pas une personne qui va nous tyranniser. On ne cherche pas une personne qui va nous brimer. C'est pas ce qu'on cherche, en fait. Et puis, ce n'est pas ton rôle, parce qu'en fait, on a dit que toi, tu es censé, l'homme, en fait, est censé nous aimer. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui te protège. Voilà, on cherche la protection, en fait. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à nous brimer, de commencer à nous crier dessus, de commencer à nous injurer, de commencer à nous battre. Ce n'est pas ça, en fait. Si toi, dans ton parcours, on t'a dit que non, les femmes, c'est comme, elles sont rien. Tu peux les battre, tu peux les faire ceci. Coco, tu n'as rien compris. Excuse-moi de l'expression, tu n'as rien compris du tout. L'enfant de truie, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde, tu n'as pas à lever ta main sur elle. Si y a un problème, tu vas voir ses parents. Moi, j'ai toujours dit, j'ai deux filles. J'ai deux filles. Le jour seulement que j'entends pas, je pars, je la récupère, puis je rentre à la maison. Et ces femmes que vous partez prendre ne sont pas vos enfants. S'il y a un souci, vous n'avez pas à vous lever la main sur elles, les battre, non. Elles ont des parents, vous les avez récupérées quelque part. Allez voir leurs parents, en fait. Arrêtez de frapper, taper sur les enfants des gens. C'est pas vous qui les avez portés pendant 9 mois. C'est pas à vous de faire leur éducation. Ils ont des parents. Allez voir leurs parents. Et toi aussi, chère femme, par moment, ta bouche là aussi déborde. Oui, faut qu'on se dise la vérité. Notre bouche là aussi, ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Est-ce que vous savez que quand une femme n'est pas bien à l'intérieur d'elle, d'elle-même. Oh, et c'est une chercheuse de problèmes. C'est une chercheuse de problèmes. Donc, elle a la parole tellement mauvaise. Elle va te parler mal. Elle va te parler mal. En fait, le pire, c'est qu'elle ne fait même pas exprès, en fait. Elle est en train d'extérioriser une douleur qui est là. Si l'homme en face, en fait, ne comprend qu'en fait, non, c'est une personne qui est en souffrance, c'est là où ça clash. C'est là où ça clash. Je ne suis. Non, celui-là, tu sais que quand la femme, la bouche. Eh non! Là, les femmes ont réagi. Nous, maman, on se connaît. Notre bouche, par moment, les choses là qu'on sort. Oh! Non, quand même. Il faut qu'on arrive à doser. Mais quand une femme, déjà, quand une femme, elle est normale, en temps normal, elle parle mal. Mais quand elle est encore blessée, laisse tomber. Là, le degré, hein. Ça monte plus. Et si l'homme en face, au fait, n'a pas la maîtrise de soi, la tempérance nécessaire, ça va partir dans tous les sens, malgré toute la bonne volonté. Je vous assure,
Je vous assure, je retrouve des couples au bord de l'implosion. Pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais c'est parce que leur douleur, c'est parce que leur blessure crie tellement plus fort. En fait. Ils se font du mal, en fait, pour rien du tout. Et personne ne veut se remettre en question. Personne ne veut se remettre en question. Personne ne veut se dire, mais pourquoi les choses ne vont pas bien? C'est quoi le souci? Je vous donne un exemple simple. Ça explose, oui, ça explose, en fait. Moi, pendant des années, j'étais une personne très susceptible. Donc, quand il me trouvait, je me rappelle, quand mon mari disait A, ah, quand il a dit A, ah, vous imaginez, il est à A. Moi, j'ai déjà dépassé Z. J'en rajoutais même des raisons. Donc, j'ai créé des alphabets pour moi-même. Il a seulement dit A. Ah. Donc, c'est comme si ma bouche était déjà préparée. J'étais déjà aux aguets. J'étais déjà aux aguets par rapport à ce qu'il a dit. Parce que j'étais blessée, parce que j'étais méfiante, parce qu'en fait, j'attendais, en fait, j'étais persuadée qu'il va me lâcher. Qu'il va me lâcher, parce que toute ma vie, j'ai connu que le rejet. Donc, je m'attendais à ce qu'il m'abandonne, à ce qu'il m'abandonne, à ce qu'il m'abandonne. Donc, quand il commence déjà, j'ai déjà démarré. J'ai démarré, j'ai démarré, j'ai débordé même. Et c'est après que je me rends compte, oups, il a débordé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà comment, par exemple, en fait, les couples, tous les jours, il n'y a jamais de peine à la maison. Donc, vous, il n'y a pas la paix chez vous. Oui, ça part dans tous les sens. Il n'y a jamais la paix. Cette fille, en fait, c'est comme, en fait, on les appelle des chercheurs de problèmes. Elles cherchent des problèmes. Donc, tout est à base de problèmes. Un truc simple qui peut se régler, elle va en faire toute une histoire. Ça va partir dans tous les sens. Ah, de toute façon, je savais que tu ne m'aimais pas. Ah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ah, de toute façon, si c'est comme ça, moi, je vais partir. Voilà un autre mot. Si tu es dans cette vidéo et que tu es en train de m'écouter, il y a des mots que tu dois bannir de ton vocabulaire. Parce que vous savez quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si à chaque fois que tu as un problème avec ton conjoint ou ta conjointe et que tu sors tout le temps, je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. En fait, tu prophétises. Je suis en train de prophétiser votre séparation. Et les éléments vont se créer pour que ta propre prophétie se réalise. Après, quand ta prophétie va se réaliser, tu vas dire, non, c'est les sorciers. Non, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier parce que tu l'as déjà prophétisé. Je vais partir. Je vais partir. Si c'est comme ça, je pars. Moi, j'étais championne, je l'avoue. Je plaide coupable. Un, deux, trois. Ah, je pars. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Jusqu'à ce que un jour, en fait, le Saint-Esprit me reprend et me dit, hé, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es en train de déclarer des choses sur ton couple qui finiront par arriver. Qui finiront par arriver. Il y a des langages, peu importe, en fait, et je me suis appliquée. Peu importe, par moment, en fait, les dissensions, les accroches qu'on peut avoir. Il y a des paroles que j'ai bannies de mon vocabulaire, en fait. Je vais partir. Ça n'existe plus. En fait, c'est un travail que j'ai fait ce moment. J'ai dit, je refuse ces paroles. Il y a des paroles qui ne doivent plus, peu importe en fait la douleur que tu ressens, peu importe la pression que tu as à l'intérieur de toi, il y a des paroles qui ne doivent plus franchir le seuil de ta bouche parce que tu es en train de prophétiser ce qui va arriver dans ta propre vie. Et quand ça va arriver, tu vas dire, oh, je ne comprends pas. Mais si, c'est toi-même. C'est toi-même en fait. Tu as ramené la mort en fait. Tu as ramené la mort. Et cette mort, en fait, où est-ce que cette mort a trouvé la place? Cette mort qui est arrivée dans ta vie a trouvé la place. C'était la faille. La faille, c'était des blessures. Vos blessures deviennent des portes ouvertes sur vos vies. Pour vous faire subir, en fait, des choses que vous n'étiez pas censé subir. C'est comme ça que par moments, on se retrouve dans des schémas de révolution. Vous savez quoi? Je vais vous parler de moi. Je sors d'une famille où très peu de personnes, en fait, sont installées en couple. Que ce soit moi, que ce soit mon mari, en fait. Très peu de personnes. C'est une réalité dont lui et moi, on était déjà au courant. On savait. Bonjour, Anne. On savait déjà cette réalité-là. On le savait. Mais quand on est arrivé, moi, mes blessures, elles étaient tellement fortes que sans me rendre compte, j'ai commencé à parler ces choses. Ah, si c'est comme ça va finir. Ah, si c'est comme ça, je pars. Si c'est comme ça part. Sans me rendre compte, je créais le chemin. Voilà, c'est ça ou cela. J'ai créé le chemin pour revivre les mêmes schémas que ma famille, en fait. Voilà comment les blessures intérieures peuvent vous faire vivre des choses qu'il ne faut pas
peut vous faire maintenir dans des schémas familiaux. Vous allez dire tout de suite, sinon c'est le diable. Non, ce sont les portes que vous-même vous laissez dans votre vie. Parce que personne ne me forçait à dire, je vais partir, je vais partir, je vais. Personne ne me force, personne ne m'a mis le couteau sur la gorge. Il faut que tu dises ça. Non, c'est moi-même, c'est de l'abondance de mon cœur que ces choses parlaient. Parce que mon cœur était blessé. Parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses en moi. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas, au fait. Parce que j'étais en colère. Parce que. Et ça sortait. Ça sortait, ça sortait. C'est une semence. Chaque parole que tu sors est une semence. Et tu vas récolter la semence. Donc, si tu ne veux pas arriver à ce genre d'extrémité, dès aujourd'hui, commence à te prendre en main. C'est quoi ces paroles? Moi, c'est je vais partir. Peut-être que toi, c'est une autre parole. Je veux qu'après cette vidéo, que tu t'asseyes, que tu te poses la question, quelles sont ces paroles que je sors tout le temps dans ma bouche dès que vous avez des problèmes? C'est quoi ces paroles que tu sors, en fait? Il faut que tu fasses très attention parce que c'est la brèche, là. Ta brèche, elle est là, en fait. Attention. 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 Voilà, vos paroles créent en fait votre réalité. Je vous en supplie. Faites attention à vous. Prenez le temps de vous soigner. Prenez le temps de vous soigner. Par moment, vous êtes devant, en fait, vous êtes devant cet homme qui est là, mais en réalité, c'est même pas lui. Pardon, ce n'est même pas lui que vous voyez. Vous voyez peut-être un ex, un conjoint qui vous a maltraité. Vous voyez peut-être ce père qui était maltraitant, qui était violent. Vous voyez plein de choses en fait au travers de cet homme. Cet homme n'est pas le problème, c'est vous le problème. Tellement en fait tu as subi des choses dans le passé, dès que ça commence, tu te dis voilà, ça recommence, le traumatisme recommence. Guérissez. Guérissez. C'est pour ça, en fait, j'ai une parole que la parole de Dieu dit beaucoup. Tu perdras par ta propre faute. Tu perdras par ta propre faute. La récompense, en fait. Oui, lui, cela. Tu perdras par ta propre faute la récompense que Dieu t'a donnée. Tu perdras. Tu perdras. C'est pas les sorciers, tout ça. Non, c'est d'abord toi, en fait. Je veux te rendre responsable, en fait, de tes paroles, de tes actes, de ce que tu fais au quotidien. C'est d'abord toi. Il y a un jeune homme qui est venu sur ma page à l'époque, il me dit, non, je le disais, en fait, que le mariage est aussi à une dimension émotionnelle. Et il me dit, non, moi, je pense que c'est le spirituel agit sur les émotions. Je dis, ok, on a encore du travail. On a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Une personne qui est blessée dans son âme, je vous assure, ne va pas tenir le mariage. C'est même pas une prophétie. C'est parce qu'il y a des réalités, en fait. Il y a des femmes mariées qui sont dans le live, là, qui savent de quoi je parle. Il y a des réalités où, si tu n'es pas émotionnellement stable, en fait, tu ne tiendras pas. Tu ne vas pas tenir. Tu vas accuser l'autre, au fait, d'être bourreau. Tu vas accuser de l'autre qui ne t'aime pas, qui n'est pas. Alors que, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, je vais prendre les enceintes. Moi, mon mari, c'est quelqu'un qui n'appelle pas souvent. Il n'est pas le genre d'homme, tu vas le voir matin, midi, soir. Il va t'écrire, il va t'appeler. Ce n'est pas son genre. Mais moi, j'ai beaucoup de mal, au fait, à le comprendre. Parce que j'étais à la recherche de l'affection. J'avais besoin, en fait, qu'on me rassure tout le temps. Donc, j'avais besoin, quand ils sont au travail, il faut qu'ils m'appellent au moins 3 fois. Imagine, le type, il est en train de bosser, mais il faut qu'il s'arrête pour m'envoyer des messages tout le temps. Mais lui, il ne conçoit pas, en fait, ça comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai eu du mal, en fait, à comprendre ça. Et je l'en voulais pendant des années. Je disais, non, qu'il ne m'aime pas, qu'il me néglige. Ça n'a rien à voir. Voilà, en fait, comment, par moment, en fait, nos attentes, nos insécurités, nos peurs, en fait, font lâcher la relation. Il faut comprendre, au-delà de ça, ce que tu dois oublier, ce que tu oublies aussi, c'est que cet homme ou cette femme qui est en devant toi a aussi son passé. Toi, tu es focalisé que sur toi. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Mais l'autre aussi qui est en face de toi, il vient aussi de quelque part. Mais il prend sur lui, il fait un travail sur lui au quotidien. Mais toi, tu ne veux pas fournir les efforts. Tu veux prendre toutes tes frustrations, tous tes trucs, tu prends, tu poses sur lui. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois devenir.
Stable, chérie. Ma chérie, tu dois devenir stable. Je suis fatiguée de voir des femmes, je ne vais pas dire des femmes fragiles, non, je suis fatiguée de voir des femmes qui sont tout le temps dans l'attitude de la plainte. Non, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Non. Devenons équilibrés, je vous assure. Quand une femme devient équilibrée, il y a des détails sur lesquels, en fait, tu ne passes plus ton temps, en fait, à très mauvais. Parce que vous êtes ensemble, vous avez des vraies choses à bâtir. Vous avez des défis, vous avez des challenges, vous avez des trucs à relever. Mais toi, tu es sur les petits détails. Tu imagines que tu boudes pendant une semaine parce qu'on ne t'a pas envoyé SMS. Imagine. Pendant une semaine, tu boudes parce qu'on ne t'a pas fait un compliment. C'est une perte de temps, en fait. Alors qu'en une semaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être concrétisées. C'est comme ça que tu perds du temps. Tu perds beaucoup de temps, en fait. On perd, pas seulement vous, on perd beaucoup de temps dans ce que j'appelle des futilités. Mais tu peux ne pas être d'accord avec l'une de ces attitudes. Mais en fait, vous en parlez, et puis on passe à autre chose. C'est pas que tu vas revenir sur ça, encore sur ça, encore sur ça, encore sur ça. Et puis surtout, il y a un autre truc. Quand tu es dans une relation, et puis la personne te fait un truc. Là, on parle même peut-être du cas des tromperies, des trucs comme ça. Tu as le choix. La vie, c'est un choix. On dit que la vie, c'est un choix, en fait. Soit tu te dis, je vais avaler, je vais pardonner, et puis on avance. Si tu dis ça, ma chérie, ou mon cher, c'est un choix que tu as fait. Ça ne veut pas dire que chaque problème qui va se poser après, il faut que tu ramènes ça sur le tapis. Parce que tu fais le choix de rester. Tu as dit, tu fais le choix de pardonner. Donc, mais si à chaque fois qu'il y aura un problème, tu vas remettre ça en fait sur le tapis, en fait, vous n'allez pas avancer. La relation va s'abîmer de plus en plus. S'abîmer de plus en plus. Pardonner aussi, la capacité de pardonner vite et passer à autre chose. Est-ce que tu es prêt aussi pour ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes déjà avec le pardon dans le passé. Sachant que ben, dans le couple, il y a des réalités qui vont arriver, qu'il va falloir que tu pardonnes. Ça dépend du degré, ça dépend de ce qui arrive. Voilà, il y a d'autres choses qui sont plus lourdes que d'autres. Mais il faut savoir que non, c'est quelque chose à laquelle tu seras aussi confronté. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as cette capacité au fait de pardonner les choses vite et passer à autre chose? Ou toi, tu vas rester pendant 6 mois, pendant une année sur la même chose? Peut-être que le type, il n'a pas fait le truc que tu lui avais demandé il y a 9 mois. Depuis 9 mois, tu es là, en fait. Tous les jours, tu lui rappelles la même chose. Tu es rancunière. Tu es rancunier. Pourtant, tous les jours, tu pries Dieu pour que Dieu, en fait, te pardonne. Mais toi, tu ne veux pas pardonner la personne qui est en train de toi. Des choses qui font que ta relation ne voit l'échec. Je ne suis pas en train de te donner une prophétie. Je ne suis pas en train de te parler de prière. Je suis en train de te parler de la réalité sur le terrain. Tes habitudes, tes comportements, tout cet ensemble de choses vont faire que ta relation va foirer. Après, tu vas accuser le diable. Non, laisse-moi tranquille. C'est toi qui lui ouvres la porte. C'est toi. C'est toi, en fait. Si tu apprenais à faire les choses autrement. Si tu apprenais à faire des choses autrement. Ouais, tu sais, ce que tu dis là, c'est pas facile. J'avais jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que tu dois le faire. Parce que dans toutes les choses que tu veux dans la vie, c'est régi par des normes, c'est régi par des principes. Si tu veux que la chose marche, voilà. C'est comme tu le matin, tu vas au travail, il faut que tu prennes le bus à 9h10. Mais je suppose qu'à 9h10, tu es à l'arrêt des bus. C'est comme ça pour ne pas être en retard au travail. Mais c'est la même chose au fait pour ta vie personnelle. Il y a des choses, si tu veux que les choses marchent, il y a des choses que tu dois faire. C'est comme moi, il y a des jours, j'ai pas envie de faire un certain nombre de choses, mais bon, il faut que je les fasse. C'est ça le même, c'est que toi, tu attends. Tu attends au fait d'avoir envie de faire les choses. La vie, c'est pas ça. Les personnes qui sont autour de moi, ils savent, je leur dis tout le temps, la vie, c'est pas dans le sentir. Ouais, je sens que. Tu n'es pas là pour sentir. Tu es là pour faire de telle sorte que les choses marchent. Donc, dans le couple, dans le mariage, on a besoin des personnes stables. Tu as besoin d'être stable. Tu as besoin, par moment, au fait de te déconnecter des émotions. Laisse tes émotions de côté et tu laisses ton cerveau. Cerveau, réfléchis, prends le dessus. Sinon, ça va partir dans tous les sens toujours. Les femmes mariées savent, il y a des moments, il y a des histoires qui arrivent, en fait, dans le couple. Tu sais très bien, en fait, que si tu réagis, ça va péter. Tu le sais pertinemment que là, si tu réagis, ça va mal finir. Donc, qu'est-ce que tu fais?
opte en fait pour la, pour le calme, pour la maîtrise, et tu laisses couler. Quand la chose va se passer, tu reviens dessus au calme. C'est ça. On a besoin des personnes stables. Quand je dis, arrêtez de suivre les séries de Hollywood qui vous montrent les couples chaque matin, midi, soir, machin. Non, c'est pas ça la réalité. Vous, souvent, en fait, on veut un truc. Si les toi par moment, en fait, je vois mes soeurs qui veulent se marier, tu leur poses la question, quel livre sur le mariage que tu as déjà lu? Aucun. Quel séminaire, conférence que tu as suivi sur le mariage? Aucun. D'accord. Quelle formation que tu as fait? Aucun. Et là, tu dis, non, c'est du suicide. Et dans cette génération, tu ne peux pas te permettre ce genre de truc. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas te permettre ça parce que tu as la connaissance à portée de la main. Mais comme je disais au début de la vidéo, la connaissance, elle est là. Mais vous ne voulez pas, au fait, prendre le temps nécessaire. Vous ne voulez pas. Vous posez les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Cette vidéo que je suis en train de faire, j'en ai déjà parlé, je crois, il y a déjà l'année dernière. Ça fait la deuxième fois que je viens parler du même sujet. Mais les mêmes choses reviennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, parce que vous ne voulez pas prendre le temps nécessaire, ne serait-ce qu'une heure. Vous avez 24 heures dans une journée, vous ne voulez pas prendre une heure pour vous asseoir, pour dire, bon, c'est la même, elle raconte quoi? Je sais que j'ai des problèmes de blessures intérieures, je sais que, bon, vu que je me dis que je vais me marier, peut-être que j'écoute ce que j'ai elle a à dire, en fait. Non, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux juste, en fait, rentrer dans ta robe, tu veux juste qu'on t'appelle madame, tu veux que, et dès le lendemain, tu te dis, oui, mais en fait, il m'a menti, c'était pas comme ça. Mais oui, mais non, il t'a pas menti. C'est parce qu'il y a des réalités à laquelle tu n'as pas été préparé. Il y a des réalités à laquelle tu n'as pas été préparé, en fait. Il y a des réalités. Voilà que il y a des gens. Sous la rigole pas. Non, en fait, nous, on aime trop faire la victime. On aime trop faire la victime. Alors que c'est des choses. C'est comme la dernière fois que j'ai mis le post, les gens, ils ont bien rigolé. Quand je vois une personne qui est émotionnellement malade, donc en fait, tu as déjà parlé avec la personne, tu connais la personne. Tu sais que cette personne, à l'intérieur, la personne, elle est détruite, la personne n'est pas bien. Et puis, tu entends la personne qui te dit, ah, mais je vais me marier. Oh, non, c'est pas possible. Ah, oh, mais je vais me marier, je suis, mais je t'avais dit, en fait, que tu devais faire un travail sur toi. Ah, oui, mais je sais, mais voilà, pour l'instant, je vais me marier. Et tu vois le problème arriver à des milliers de kilomètres. Tu vois les problèmes arriver. Mais la personne ne voit rien du tout. Et des mois après le mariage, mais lui, en fait, t'avais raison. Bien sûr, j'avais raison. Bien sûr que j'avais raison. Mais quand je te le dis, bah, vu que peut-être que, bon, je sais pas moi, vu que souvent, en fait, les gens, vous aimez qu'on vous vende du rêve. Vous aimez quand les personnes sont, je ne sais pas moi, charismatiques, machin, qui vous disent, c'est là que vous écoutez. Quand on vous parle des trucs simplement, en fait, là, ça passe pas, si. Vous le négligez et après, vous vous retrouvez dans des impasses. Vous vous retrouvez dans les trucs où vous ne pouvez plus faire demi-tour. Vous vous retrouvez dans les situations où il y a des gens qui me disent, Noélie, mais maintenant, je suis là, comment je fais? J'ai dit, mais ma chérie, tu veux que je te dise quoi? Maintenant, tu t'es déjà engagé, tu as déjà dit oui, tu as déjà signé. Maintenant, tu veux que moi, je te dise quoi? Que je te dis que non, il faut partir de là. Mais non, ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. Quand tu partais et rentrais là-bas, tu étais seul. Après la décision seule. Donc, tu décides aussi maintenant. Faites les choses à vous. N'attendez pas d'arriver à ce niveau-là, de vous retrouver devant des situations de non-retour avant de réagir. Je ne sais même pas, en fait, ça vous coûte quoi d'acheter un livre, en fait, sur le mariage. Ça ne coûte même pas cher. Plus on avance, plus les livres, ça ne coûte même pas cher. Tous les mois, je suis en train de parler aux femmes. On se connaît. Vous achetez les perruques. Vous faites les cheveux. Vous achetez les make-up. Donc, en fait, rien que le prix de ton maquillage, là, tu vois ta poudre que tu mets, rien que le prix de ta poudre, tu as déjà acheté un livre. Rien que le prix de ta poudre, le fond de teint, tu as déjà un livre fait dans les mains. Donc, tu vois que c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Tu veux te faire belle? Ah, mais il faut que je me fasse belle. Ah, comme ça, il va me regarder. Oui, ma chérie, la beauté, c'est bien. Cet homme viendra pour ta beauté. Mais après, si ton caractère est mauvais, si ton passé,
Parce que par moments, en fait, vous êtes jolie. Hein. Il y a des moments où je regarde vos profils. Mais qu'est-ce que vous êtes belle? Mais 0% de confiance en soi. Je dis 0% de confiance en soi. Estime de soi, moins 0%. Moins 0%. Vous trouvez, après vous trouvez, c'est comme vous vous faites joli, l'homme vient. Mais vous êtes incapable de gérer en fait ces choses qui arrivent. Et vous le détruisez vous-même. Pourtant, la beauté, elle est là. La beauté, elle est là, en fait. Mais ce n'est pas tout. Investissez en vous. Je dis aux femmes, quand par moment, toi, le compliment qu'on te donne, elle est jolie. C'est bien. Mais tu dois aspirer à plus. Quel est ce truc qui te différencie des autres? En quoi tu es consistante, en fait? En quoi? Jolie, là, c'est bien. Nous tous, tout le monde peut faire la beauté. Mais tu vois, tu dois avoir quelque chose de plus solide à l'intérieur de toi. Investissez à l'intérieur de vous. Vous allez, là, bientôt, c'est les fêtes. Bientôt, c'est les fêtes. Vous allez commencer encore. L'argent des cheveux, l'argent des habits, l'argent des chaussures, l'argent de ceci, l'argent de tout cela. Donc, tout ça, tu ne vas même pas penser à prendre le livre. Tu ne vas pas penser au fait, à prendre, au fait, une formation. C'est ça, Jane. C'est ça, Jane. C'est ça. C'est ça la réalité. Elles sont tellement belles, mes soeurs, mais tu t'approches d'elles. Elle n'a aucune confiance en elle-même. Et puis tu regardes le genre de relation dans lequel elle se retrouve. Elle se retrouve avec des faux types, des personnes qui la font pleurer, tu te tournes tout le temps, tu te dis, mais réveille-toi, chérie, réveille-toi. Et vous venez te voir, ah, Nelly, j'ai des problèmes, Nelly, j'ai des problèmes. Hey! Tu lui dis, bon, prends un accompagnement, on va prendre le temps de parler. Ah, Nelly, toi aussi, tes tarifs, c'est cher. Waouh. Va voir, en fait, ce qu'elle a apporté sur elle. Quand tu fais l'addition, ça dépasse même le prix même de l'entretien. À quel moment, en fait, on change de priorité? À quel moment, en fait? Il y a des choses qui vont te coûter dans la vie. Oui, ta beauté te coûte. Donc, ton intérieur aussi, il va te coûter. Tu fais beaucoup de choses pour prendre soin de toi à l'extérieur, mais tu n'investis pas assez à l'intérieur de toi. Alors, toi qui es là, toi qui es là, en fait, tu m'écoutes, tu sais que d'ici là, tu vas aller te marier. Fais les soins, fais les beautés, fais le make-up, fais tout ce que tu veux. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Tu vas être resplendissante. Mais je veux que tu commences à t'asseoir. Commence à fouiller au fait dans ta vie, dans ton histoire, dans ton passé. C'est quoi ces choses qui m'embêtent? Depuis que je suis dans cette relation, qu'est-ce que cet homme ou cette femme me reproche? Il y a des femmes à qui le monsieur dit, tu parles mal, tu parles trop mal, tu parles mal, tu parles mal, ton langage il n'est pas bien. Mais c'est pas son problème. Elle va te dire, non, moi je suis comme ça. Non, non, tu n'es pas comme ça. À chaque fois que j'entends les femmes qui me disent, ah, moi je suis une femme une femme de quoi? De caractère. J'aime beaucoup ce mot. Moi, je suis une femme de caractère. Qu'est-ce qu'on appelle femme de caractère, en fait? Celle qui parle mal, celle qui insulte les gens, celle qui veut contrôler les gens, celle qui veut dominer les gens. C'est ça que tu appelles femme de caractère? Est-ce que c'est ça que tu appelles une femme de caractère? Beaucoup de mes sœurs sont déformées. Vous avez été déformées de par votre éducation. Vous avez été déformées de par votre environnement familial, vous avez été déformé de par les relations que vous avez. Vous avez été déformé par la société. Les films, les séries vous ont déformé. Il faut que vous appreniez à vous redéfinir, en fait. Il faut que l'on apprenne à se redéfinir dans la vie. Et ça, c'est valable, en fait, pour les hommes et pour les femmes. Nous avons des hommes qui ont perdu leur identité. Pas fort, pas moins, pas même perdu. Qui ne savent même pas qui ils sont depuis le départ. Donc, eux, ils sont seulement dans le monde, ils suivent le monde. Femme, je dis toujours aux femmes, le jour où tu t'engages avec un homme, tu dis oui à un chef. C'est ce que nous oublions, en fait. Parce que le mariage est régi par des lois. Le jour où toi, femme, tu décides de te marier, tu acceptes de te mettre sous l'autorité d'un chef. Regarde bien ce chef. Vous criez après au scandale. Ces chefs sont des tyrans.
Ils ont pas été, ils sont pas tyrans dès maintenant. Ils l'ont toujours été. Et tu n'as pas regardé le genre de chef à qui tu voulais dire oui. Parce que la dépendance affective t'a poussé à faire un choix. Parce que la peur de te retrouver seul. Parce que l'âge. Parce que la pression de la famille. Parce que tu as fait un choix. Mais tu n'as pas dit oui au bon chef. Et malheureusement, en fait, quand tu décides de dire oui à un chef, tu viens te soumettre à ce chef. Donc, si le chef te dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses ça, ça va devenir compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, prenez le temps de vous connaître. Quand tu sais qui tu es, tu sais à qui tu peux te soumettre. Quand tu sais qui tu es, tu sais à qui tu peux te soumettre. Tu es une grande fille, une grande femme en devenir. Tu es une puissante servante. Tu as une grande destinée. Tu as des grandes choses à faire. Tu vas aller t'allier avec un homme qui a peur au fait que les femmes soient dehors. Et puis, vous savez, moi j'aime beaucoup regarder l'actualité pour tirer des leçons. Tout le monde sait que d'ici là, il y a eu des élections aux États-Unis et que bon, voilà, au-delà de la bagarre entre Trump et Biden, pour savoir qui a gagné, moi je suis pas là-bas en fait. J'observe beaucoup la coalition de Biden, cette femme. Pas seulement cette femme, j'observe beaucoup son mari. J'observe beaucoup le mari de cette femme. Vous pensez que cette femme peut arriver là où elle est, si elle n'était pas tombée sur moi, non? Quel homme qui va accepter que non, la femme laisse la maison, les enfants et tout, il va faire campagne, parfait de tout, fait des trucs. Et puis lui-même aussi, il laisse son travail pour venir rejoindre la campagne avec lui. Femme, tu dois savoir qui tu es, là où tu vas, pour savoir à qui tu veux te soumettre. Est-ce que tu risques en fait d'hypothéquer ta destinée? Tu risques d'hypothéquer ta destinée. Après, vous pleurez. Mais c'est vous-même qui vous êtes soumis à ce genre d'homme. C'est vous-même, personne ne vous a forcé. Ah, mais Naomi, c'est pas tout le monde qui a cette définition de femme de caractère, en fait. C'est pas tout le monde. Sachez qui vous êtes pour savoir à qui vous voulez vous soumettre. Il y a des hommes qui teignent des femmes. Il y a des femmes aussi qui broient des hommes. On a vu des femmes qui étaient appelées à aller loin dès qu'elle est rentrée dans ce mariage. On a vu des hommes en fait qui étaient promus à des grandes choses. Mais depuis qu'elle s'est mise avec cette femme, le chaos. Le chaos. Ça va au-delà au fait de ce que, quand vous vous engagez avec une personne, ça va au-delà du présent. Ah, oh, tu es jolie, tu es belle, tu es jolie. Non, ça va au-delà. Il y a des destinées qui sont en jeu, en fait. Il y a des destinées qui sont en jeu. Ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies. Il y a des décisions, quand je dis, il y a des décisions dans la vie, tu dois enlever ton cœur. Tu prends ton cœur, tu mets de côté, tu ouvres ton cerveau. Je vous ai toujours dit, ouvrez vos cerveaux. Il y a des décisions qui se prennent avec le cerveau. Parce que si tu laisses ton cœur prendre ces décisions, ton cœur peut te tromper. C'est-à-dire que parce que le cœur, il s'arrête sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, rien de plus. Il n'a plus, en fait, cette capacité de réflexion poussée. Et c'est après que tu te rends compte que, ah, oh, zut! Trop tard. Trop tard. Les regrets commencent. Il y a des destinées. Oui, en fait, c'est l'une des choses qui me peine chez les femmes, en fait. Elles voient seulement. Il y a des moments où tu vois la femme, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux à la vie? Oh, Nelly, je veux me marier, je veux faire des enfants. Mais après, chérie, après t'être mariée, après savoir faire des enfants, en fait, à part ça, il y a quoi d'autre? Donc, pour certaines femmes, il n'y a plus rien à part se marier. Pas à part faire des enfants. Voilà, c'est ça. Une femme de caractère, c'est pas une femme qui fait du bruit. C'est une femme, c'est dans son, en fait, c'est dans sa manière de faire. C'est ça une femme de caractère, c'est une femme de principe, une femme de valeur, une femme, en fait,
Voilà, très carré dans sa manière. C'est ça une femme de caractère. Une femme de caractère, c'est pas la femme. Ah, moi, je ne me commande pas. Je veux... Non, non, c'est pas ça. Tout ça, là, c'est du bruit. Et souvent, d'ailleurs, derrière tout ce bruit-là se cache beaucoup de blessures aussi, malheureusement. Ne jouez pas avec vous. Le mariage, ce mariage que tu cherches tant, peut t'enterrer ou peut te propulser. On a vu cette femme 2020, on a vu 2020. On a vu plein de femmes rentrer sous terre parce qu'elles ont dit oui à l'homme qu'il ne fallait pas. Elles sont sous terre. Elles ont fait un mauvais choix. Pour X ou Y raison, peu importe. Elles ont fait des mauvais choix. Des destinées brisées, des vies brisées. Pire, elles sont sous terre. Attention à vous. Attention. Attention, je suis même sortie de mon message principal. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas quelle est cette décision que tu t'apprêtes à prendre. Attention. Ouvre tes yeux. Ouvre ton cerveau. Ton cœur là, qui bat beaucoup, beaucoup là. Mets-le sur pause et réfléchis. 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 Et s'il faut prier, prie. Réfléchis beaucoup. Observe. Réfléchis. Ça va t'éviter beaucoup de larmes après. Ça bug? Oh là là. Ah bon? Mais non, parce que je regarde sur mon téléphone, ça passe assez bien. Ah oh, zut. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est bon? Jenny, c'est bon ou pas? Ah, zut. De toute façon, je suis arrivée à la fin aussi. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Ah, d'accord. Merci, dame. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini même de parler, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends les questions. Des questions, je prends des questions. Vous avez des questions? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, Eddie. Je prends les questions. Envoyez vos questions, je vais répondre à quelques questions et puis je vais y aller. Oh là 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 là. D'accord, je prends les questions. L'année est en train de finir. J'espère que je prie vraiment que 2021 nous libère pour qu'on reprenne les activités en présentiel. Vraiment, 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 vraiment. Je lis, hein. J'attends les questions. Vous avez des questions ou pas? Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de parler. Vous avez des questions? Envoyez les questions, je vais répondre. Même si c'est pas rapport au... Même si ça n'a rien à voir au fait avec la vidéo du jour, mais qui a toujours rapport avec mon travail. Je réponds et puis je vais y aller. D'accord, les questions. Vous avez des questions ou pas? En fait, il y a 1 heure que je suis en train de parler. Vous avez des questions? Envoyez-les.
Par exemple, vous parlez calmement, mais c'est très bon. Je n'ai pas besoin de faire. Oui, Naomi. En fait, moi, je ne suis pas une personne qui, de par ma nature, déjà, je ne crée pas beaucoup. Je ne crée pas beaucoup. Déjà, de nature, je suis comme ça. Voilà. Il faut savoir aussi que, bon, il y a des tempéraments aussi qui jouent beaucoup. J'ai pas besoin, déjà, le message que que j'ai, il est déjà assez lourd. Il y a une manière de le passer. Il y a une manière de le passer. Il faut beaucoup de douceur, en fait. Il faut beaucoup de douceur parce que c'est des choses qui sont lourdes. Et c'est pour ça, vraiment, je vous remercie au quotidien parce que c'est pas évident, hein, ce que je dis sur cette page, en fait. C'est pas évident. Mais tous les jours, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Je me suis dit, waouh. En tout cas, merci d'être là au quotidien. Et voilà. Merci de chercher à devenir vous-même, à vous soigner, à pouvoir passer aux choses. Et je ne changerai pas de message. On guérit. Ici, il n'y a que ça. Merci, Dal. Merci beaucoup, Dal Kenya. Merci. Prenez soin de vous. Guérissez. Je vous en supplie. Parce que là, on me l'a parlé du mariage. Mais il faut savoir que ben, dans le mariage, en fait, après, ça va sur les enfants. Et voilà. Vous risquez en fait de reproduire les mêmes choses sur les enfants après. Ça va très loin en fait. Ça va très 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 loin. Donc soignez-vous. 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 Il y a tellement de choses qui découlent en fait de cette histoire de guérison. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui découlent en fait. Quelle est la différence entre une personne qui est calme et une personne qui est timide? La timidité vient souvent d'une personne calme. Il y a des personnes, on prend peut-être dans le tempérament, on va prendre les introvertis. Les personnes qui sont introverties sont assez calmes, en fait. Ce sont des introvertis. Ils sont assez fermés, en fait, sur eux-mêmes. Donc, ils sont assez fermés. Ils sont assez calmes, de nature. Ce ne sont pas des personnes qui font beaucoup de bruit. Voilà. Mais les sanguins et le colérique, ils ont le sang chaud. Mais le flegmatique et le mélancolique, ils sont assez calmes, en fait, de nature. Maintenant, la timidité, c'est quoi? La timidité peut venir de beaucoup de choses. La timidité peut venir de beaucoup de choses. Ça peut être peut-être un manque de confiance en soi, la peur. Souvent, c'est ça. Quand on se dit, ouais, je suis timide. En fait, en réalité, je te dis que non, en fait, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vois. J'ai peur d'affronter. J'ai peur du regard des autres. Je n'ai pas assez confiance en moi. Voilà. C'est ça. Derrière la timidité se cache vraiment beaucoup, beaucoup d'autres réalités, en fait. Le mot timide, c'est juste la surface. Mais à l'intérieur, ça peut cacher des choses. Alors qu'une personne qui est calme, c'est sa nature. Elle est née comme ça. Voilà. Et souvent, ce sont des personnes qui sont introverties. La personne est calme. Ça n'agite pas. C'est pas beaucoup de... La personne peut rigoler, hein, peut rigoler, mais vous allez voir que c'est une personne qui n'aime pas trop le bruit, en fait. Voilà. Alors que derrière la timidité, bah, il peut se cacher beaucoup de choses. Cacher, cacher, cacher beaucoup de choses. Je suis timide, j'ai peur, je suis timide, je manque de confiance en moi, je suis timide parce que bon voilà, j'ai une image de moi-même qui n'est pas assez bien, donc qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Sinon j'ai tendance à me cacher, je ne veux pas que les gens me voient. Voilà un peu, c'est pour ça, la parole de Dieu dit ceci, vous n'avez pas reçu au fait un esprit de timidité ni de crainte, mais un esprit de courage et de force. Donc pour te dire que la timidité au fait c'est une barrière que tu dois passer, que tu dois franchir tous les jours de ta vie, au fait, pour faire les choses que tu dois faire. Être calme, au fait, ne t'empêche pas de faire les choses. Mais la timidité peut devenir, au fait, une prison, peut devenir quelque chose qui te paralyse, au fait, pour ne pas faire ce que tu dois faire. Merci beaucoup, Elie. Merci. Voilà, Naomi. Naomi, est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Tu as compris ce que je voulais dire. J'attends d'avoir le retour de Naomi. Hein. Sinon, j'ai fini. Donc, comme je vous ai dit, abonnez sur la page YouTube. Il y a beaucoup plus de contenu là-bas. C'est beaucoup plus détaillé. Je vais plus en profondeur. Les posts, c'est juste, en fait, c'est juste pour te réveiller. En fait. C'est le but. Sur cette page, en fait, la plupart des posts que je fais, c'est pour te réveiller, pour te dire, hé, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces posts n'ont pas vocation, en fait,
de te transformer. Les pauses ont vocation à une prise de conscience. C'est pour ça que je viens, je fais les lives. C'est pour ça que j'ai mis les formations sur place. C'est pour ça que j'ai mis les accompagnements. D'accord, Naomi, c'est bon. C'est pour ça que j'ai mis d'autres choses après pour vous accompagner, pour aller plus loin, en fait. Mais sinon, les postes n'ont pas vocation à vous changer. Les postes ont vocation pour vous interpeller, en fait. C'est ça le but de ces postes. Donc, c'est pour ça que vous allez voir souvent, en fait, je fais des postes clés, des postes choc. C'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès, en fait, pour vous réveiller. Pour vous réveiller. Souvent, ça, pardon, la dernière fois, il y a une dame qui me dit, mais pourquoi cette femme, elle parle de ma vie? Non, en fait, non, je fais exprès. Je parle pas de ta vie, en fait. Je suis juste en train de réveiller ton sommeil. Que tu, non, tu dors. Tu dors, tu dors, tu dors. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu prennes ta vie en main. Vous savez, on est au mois de novembre. On est arrivé à la fin de l'année. 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Je vous assure. Pas que pour vous. Même pour moi, 2020 a été difficile parce que j'ai vu beaucoup de mes programmes, de mes plans, voilà, passer à côté. Les choses ne sont, rien ne s'est passé au fait comme j'espérais cette année. Mais je suis en bonne santé. Je suis debout et j'avance. On attend 2020. On prie que les choses se calment pour pouvoir, voilà. Moi, si les choses se calment, ça va être bien pour moi. Je vais pouvoir reprendre mes activités en présentiel. On va pouvoir refaire les conférences parce que j'ai hâte, en fait, d'aller rencontrer, en fait, les abonnés qui sont à Paris. Paris, en fait, j'ai 2021. J'espère que tout se passera bien. J'espère que tout se passera bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end et puis on se voit à la semaine prochaine. Mardi, je ne serai pas sur Facebook. Mardi, je serai sur YouTube. Donc, si tu veux me retrouver mardi, on se voit sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo. Et bye bye. Au revoir. Non, non, non.